étranger. Restons sur nos gardes. Au secours! Qu'est-ce qu'il lui prend? À l'aide! J'ai vu un squelette avec des dents énormes! Oh, si ce n'est que ça! Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? D'où provient-il? Oh! C'est très bizarre, on ne voit personne. Oh! Crois-tu que ce sont des esprits, hein? Les rugissements ont cessé à présent. Écoutez! Vous n'entendez pas un tic-tac, vous aussi? Ben oui, t'as raison, je l'entends aussi. Oh, c'est effrayant. Oh, qu'est-ce que ça peut être, une bête monstrueuse? Mais il n'y a personne en dehors de nous ici. Le tic-tac est proche. Écoutez, le tic-tac s'est arrêté tout d'un coup. Je me demande ce que c'était. Pas de quoi avoir peur. Le bruit a repris de plus belle. Tu crois qu'il y a du danger, Simba? Claire a l'air de bien s'amuser. J'aimerais savoir ce qu'il trouve de si drôle. Peut-être que la peur lui a provoqué un court-circuit dans le ciboulot. Oh, yo, yo, je n'ai rien pour soigner ça. Oh, nous devons continuer notre route maintenant. Restons groupés et ouvrez l'œil. Allons, Éclair, viens nous éclairer avec ta queue. J'ai sorti plein la bouche. T'es prêt pour jouer comme un chou? Je suis bien d'accord. Allons, reprenons notre route, mes amis. Accroche-toi bien, la cadence s'accélère. Manu, Balou, sois vigilant et protège nos arrières. Attendez-moi! Attendez-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Simba te demande de protéger l'arrière. T'as peur par hasard? Bah, qu'est-ce que tu racontes là? C'est ridicule, voyons. Moi, un ours, avoir peur. Oh, bah, elle est bien bonne. Allons-y alors. Courage! Encore un effort, mes amis, il ne faut pas s'arrêter maintenant. On dirait que les montagnes s'étendent à l'infini. Comment allons-nous trouver notre chemin? Ne vous découragez pas. Le gym est parti en reconnaissance. Attendons son retour. J'ai trouvé une sortie, c'est par là. Nous pouvons l'atteindre en peu de temps. C'est là-bas, vous la voyez? Oui, je la vois. Elle est très loin encore. Moi, je vois rien. J'ai trop faim et j'ai trop faim. Ce n'est pas le moment de ralentir l'allure. La sortie est proche désormais. Suivez-moi, je vous montre le chemin. Oh, hein? En avant tous et dépêchez-vous. Attends. Les vois-tu, le gym? Rien! Pas une ombre! C'est comme si le sable les avait engloutis. Oh. Nous avons perdu tous nos amis. Quelle affreuse catastrophe! Il y a un survivant! Oh, et voilà notre roi! Oh. Ondaro nous avait dit qu'on te retrouverait. Oh, finalement, nous sommes tous sains et saufs. Hurrah! Allons, tous en avant, mes amis, et on va s'en sortir. Et je ne veux pas voir un seul retardataire. Si sans souffler on s'élance ainsi, on sera vite au but. Dépêchez-vous! Quel paysage merveilleux! Ah. Hurrah! Nous sommes tous sains et saufs! Vous vous êtes tous comportés de façon très courageuse. Vous avez été admirables. Ah! Ohé, les amis! Ah, on est là! Là. Je suis content et j'ai pas perdu ma balle. Bravo, vous avez été très rapide. Je ne pensais pas que vous pourriez réussir en si peu de temps. Je dois vous féliciter pour votre grande agilité. Tu nous as suivis, Arbor, hein? Vous venez de traverser un territoire hors du temps, où la vie n'est en réalité qu'une illusion virtuelle. Oh, c'est toi, Arbor. Tu faisais tellement de bruit que je croyais qu'on nous poursuivait. Le tic-tac était si fort que ça me glaçait le sang. Ah ben, y a pas de quoi rire, c'était vraiment terrifiant. Ce n'est pas très gentil de te moquer de nous comme ça. Je n'avais pas l'intention de vous vexer, mes très chers amis, mais c'était très drôle, vous savez. Je comprends que vous ayez eu peur, car vous ignoriez d'où provenait ce bruit. Mais il faut y réfléchir, et nous en découvrirons bien l'origine. Eh bien, c'est très simple. On aurait dit une paire de sabots qui claquaient. Oui, c'était un rythme régulier qui était très agaçant. Et le bruit que font le sabot de quelqu'un qui court très vite. Arrête, Éclair, et écoute ce que nous dit Arbor. Le bruit que vous entendiez, c'était les dents de Balou qui claquaient. Tu le savais, n'est-ce pas, Balou? Oui, c'est vrai, j'avoue que je m'en doutais. Je ne pouvais pas communiquer avec vous, mais j'entendais tout à travers les plantes et les arbres. Et voilà, c'est ça l'histoire de Balou, qui est intrépide mais qui claque des dents dans un rythme trépidant. C'est une vraie farce stupéfiante et stupide. Qu'en dis-tu? C'est une vraie farce stupéfiante et stupide. Oyez, mes amis, faites silence, je vais chanter une ode. Il nous manquait plus que ça. Il veut nous forcer à l'écouter. Oui, alors. C'est en l'honneur de Simba que je chante. C'est une excellente idée. Nous allons tous chanter en chœur. Vive Simba! Mais avant de chanter, je veux boire, car moi je meurs de soif. Oui, moi aussi j'ai très soif. Ça suffit avec vos lamentations. Moi je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Il y a un lac. Allons nous désaltérer. Ouais. En avant, allons voir. Et moi, je m'égosille pour rien. Écoutez ma mélodie pour l'Afrique, ingrat. Allons d'abord boire, nous aussi, après tu chanteras. Vous êtes d'ignorants personnages, vous ne savez pas ce que c'est que l'art lyrique. Toi, un oiseau, tu devrais me comprendre. Chante si tu veux, je vais t'attendre au bord du fleuve. Les oiseaux devraient pourtant se soutenir entre eux. Africa, Africa, Africa. Simba, Simba, il faut que je te parle sérieusement. Écoute bien ce que je vais te dire. Et là, en voilà des manières. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Tu m'as fait tomber au moment où j'allais commencer mon ode à l'Afrique. Que c'est triste. Vois-tu, je suis pressé car je dois communiquer une information importante à notre ami Simba et je n'ai pas fait attention. Oh, c'est enrageant. Ils ont tous quelque chose d'autre à faire au lieu de se nourrir l'esprit avec la musique. Mais vas-y, Arbor, ne te gêne pas. Simba t'écoute. Dis-lui ce que tu avais à lui dire. Eh bien, voilà, je viens d'apprendre par des plantes qui sont au bord du Nil, à quelques kilomètres d'ici, que Shere Khan et sa bande arrivent en Afrique. Que comptes-tu faire si cette nouvelle est exacte? Il faut que je réfléchisse. Patience. Commence par remonter le cours du Nil et fais-toi des alliés. Choisis-les avec componction. Souviens-toi que c'est ton destin que tu joues. Allez, va. Et bonne chance, Simba. Merci, Arbor. Je vais suivre tes conseils. Au revoir. Regardez qui arrive. Mais c'est notre ami Simba. J'attends. Me voilà. Tu en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? Dépêche-toi de t'expliquer. Allons, parle, idiot. Malheureusement, grand maître, ils n'ont pas voulu m'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne veulent faire aucune alliance. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Les crocodiles ne veulent faire aucune alliance avec nous. Tu te moques de moi? Ils ont refusé de s'allier avec nous. Hélas, c'est la vérité. Alors ils vont s'allier avec Simba et combattre contre nous, c'est ça? Non, grand maître, c'est encore plus compliqué que ça. D'ailleurs, vous allez voir. Plus compliqué que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne cherche pas à jouer au plus fin avec moi. Tu m'entends, tête d'andouille? Les crocodiles ont décidé de rester neutres. Ils ont décidé de rester neutres, et pourquoi cela? Peux-tu me le dire, sacré tête d'œuf? Par respect pour le crocodile de la jungle. Qu'est-ce que tu dis? C'est par amitié pour le crocodile de la jungle. Le crocodile de la jungle? Ce stupide sac flottant? Et ça te fait rire? Ben oui, quoi. Ce stupide sac flottant, c'est drôle, non? Je suis de bonne humeur. Tu as de la chance. Réfléchissons. Nos alliés sont les chacals, les rhinocéros, les sangliers, les autruches, les vautours, et tous aiment combattre avec férocité. J'espère que tous ces oiseaux sont des amis pour nous, sinon un grand malheur nous guette. Comme la nôtre. Ils sont si nombreux dans notre armée qu'on ne peut pas les compter. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'astuce peut avoir raison du nombre parfois. Mais c'est quand même intéressant d'être les plus nombreux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Simba? Je pense que plus on est nombreux, plus on a de force avec soi. Et c'est un grand avantage. Oh. 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 Simba, nous te souhaitons la bienvenue pour ton retour sur la terre de tes ancêtres. Ah, je te remercie, roi des aigles. Grâce à l'union de nos forces, nous vaincrons. Et nous aussi, les faucons, nous te saluons. Nous t'aiderons à conquérir le trône qui te revient. Je suis fier de vous. Vive Simba! Vive Simba! Vive Simba! Je suis fier d'avoir des amis et des alliés de votre qualité. Et tous ensemble, nous sommes sûrs de gagner. J'ai toute une troupe de panthères qui s'avance vers nous en courant. Simba! Simba! Qu'y a-t-il? Une troupe de panthères se dirige vers nous. Oh, oh, j'y vais. Oh. Oh. Est-ce que cette troupe est une troupe d'amis? Oh, je crois bien que ce sont des alliés, hein. Je te salue, Simba, mon ami. Sois le bienvenu parmi nous. Je suis heureux de vous rencontrer. Vous êtes mes amis. Salut et fraternité. Vive l'Afrique. Longue vie à Simba, qui est notre roi. Longue vie à Simba. Vive Simba. Ça s'annonce sous des auspices singulièrement favorables, j'en suis sûr. Simba, tu vas recevoir d'autres visites, il me semble. Oui, je vois. Oh, que de monde! Que de monde! Que de monde! Et si ça continue, on repartira pas. Ne nous affolons pas, nous avons tant de chemin à faire. Ah, oui, au fait, comment ça s'appelle l'endroit où nous devons arriver aussi vite que possible? Nous devons arriver au pied du mont Kilimandjaro. Nous te saluons, Simba. Et comment y arrive-t-on au Kilimandjaro? Nous avons encore un très long chemin à parcourir. Des kilomètres et des kilomètres. C'est pas drôle. Ah, on va arriver crevé. Bon sang, c'est certain. Il faut remonter le Nil jusqu'à sa source, et c'est le lac Victoria. Puis on traverse le Kenya. Puis nous apercevrons une montagne couverte de neige, le Kilimandjaro. Oh, quelle fatigue, quelle longue marche! Pourvu qu'on puisse y arriver entier, pour moi c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe? On s'en va? Les discussions sont terminées, on repart, mets-toi dans la file. On pourrait se reposer ici. Excellente idée. Ah. C'est tranquille. On va organiser des tours de garde cette nuit. Oh, c'est aussi grand ici. Hey, vous êtes avec Simba? Oui, nous sommes de 6 amis. Et toi? Je suis un rat du désert. Je veux vous féliciter. Je vous félicite, pourquoi? Pour l'alliance des rats avec Simba. Nous sommes très flattés, mais nous avons plusieurs questions à te poser. Toutes ces statues et ces maisons, qui les a construites? Un peuple très ancien qui s'appelait les Égyptiens. Ils étaient tellement riches qu'ils construisaient des maisons où ils plaçaient leurs morts après les avoir entourés de bandelettes et embaumés pour en faire des momies. Dans ces chambres funéraires, ils mettaient les richesses du monde. Bijoux, or, pierres précieuses, en somme, à côté des morts, il y avait de vrais trésors. Des trésors. Si vous voulez visiter quelques-unes de ces chambres funéraires, vous verrez ces trésors. On va voir des trésors. Et je sais que vous serez émerveillés par toutes ces richesses qui entourent les morts. C'est effrayant. Mais pourquoi ça? Maintenant qu'ils ont retrouvé la terre d'Afrique, ils ne s'attendent pas aux difficultés qui vont se présenter. Que va-t-il arriver à Simba, à ses amis et à toute la troupe de ses partisans? Probablement quelque chose d'imprévisible que vous découvrirez dans notre prochain épisode. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous tous ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort, quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie, elle est notre mère, c'est une autre maman, Arbor est notre papa, Simba et Bimbo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.